there's a fire, but no fire again. Help us, oh, tonight we are losing, losing this fight. Oh, help us, oh, tonight. Yo tout le monde, c'est Jérém Jim. Alors le démon qu'on a en ce moment, cette fois-ci voilà, j'arrive à sortir une vidéo assez vite. Donc voici ma compo, enfin pas exactement, je vais enlever le dompteur de bête et mettre Serenia. Parce qu'en fait il nous faut quand même choisir le père Maslow. C'est pas exactement le même démon que la dernière fois, comme Avatrix l'avait montré, celui-là on peut le ralentir. Mais c'est vrai qu'il a des bestioles. Donc ben, moi je suis parti sur une composition vraiment en mode père Maslow. Hop, le démon d'abord. Le Cupid ensuite, qui permet de vraiment ralentir d'un coup le démon. Et ensuite, c'est parti quoi, avec tous les écussons. Il y a mon druide qui a ralentir 5. J'avais ralentir aussi sur Volta et sur Cupid. Voilà. Donc le démoniste, je mets écusson Revita 4. Bon, Revita 3, c'est largement suffisant. Mais c'était histoire comme ça, meilleur écusson, ça permet de meilleurs dégâts. Et le Duc Citrouille, j'ai mis Drainvi 4 parce que je me suis dit, de toute façon, il va être au corps à corps, il y aura les bestioles, donc il va forcément se faire shooter. Voilà. Bah, par contre, j'ai pas eu de bol, le Cupid est rapidement mort par les petites bestioles. Alors là, on a du mal à les voir dans toutes ces petites explosions là, mais il y a le Cupid, enfin, il y a les bestioles qui sont au milieu quand même. Donc voilà, vous voyez que la vie du Duc Citrouille va quand même descendre pas mal entre temps. Mais j'ai mis Drainvi 4 en écusson et du coup c'est plutôt efficace. Le deuxième essai, bah, je vous le dis tout de suite, il va être catastrophique. J'ai pas réussi à déclencher le père Maslow, donc ça s'est pas goupillé comme il faut avec le démoniste. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que j'ai fait pareil, mais bon. Donc voilà, il y en a... Bon, par contre, c'est sûr, là, il y a Volta, mais à la place de Volta, vous pouvez déjà mettre Medusia. Et ce sera bien plus efficace que mon équipe, mais ma Medusia revit à 4. C'est pas suffisant et surtout elle est pas évo et elle est 5 sur 10 donc moi je pense qu'elle fera pas des dégâts de folie donc je vais rester plutôt avec cette équipe là. Au moins il y a le démoniste et le Volta qui s'occupent rapidement des bestioles donc bon, pour moi là j'ai de la chance que je peux y aller avec cette équipe. Voilà, donc le Duc Citrouille arrive à survivre, vous voyez qu'il récupère rapidement sa vie, plus le druide qui est derrière qui soigne et qui donne du bonus d'attaque à tout le monde. Serenia, elle va ralentir 5 et puis elle permet d'augmenter les dégâts reçus par le démon. Donc voilà, nickel. Donc je pense que ce démon, par contre, il ira vite. La dernière fois, il était vraiment compliqué, même si j'ai réussi à me finir bien classé. Là, la dernière fois, j'ai réussi à finir 41e, je crois. Quelque chose comme ça. Dans ce saut-là, j'ai eu quand même pas mal de gloire. Donc c'était cool. Par contre, j'avais pas eu le temps de faire de vidéo. Mais là, je peux. Voilà, le duc, il a eu chaud. Et ça se termine bientôt. Voilà. Bon, par contre, j'estime 2 à 3 jours sur le démon, là, pas plus. Peut-être 2 jours, à mon avis, là, parce que surtout que tout le monde va faire un meilleur score à partir de demain, donc les pourcentages vont monter encore plus vite. Voilà, bah, du coup, j'espère que cette vidéo va vous aider. Voilà, Voltanica, je sais pas beaucoup de monde là, mais c'est pas le héros qui fait la différence. Si vous avez la chance d'avoir Medusia avec Revita 5, c'est vraiment le top. Voilà, après, peut-être Santa à la place de démoniste. Mais moi, mon démoniste est bien plus puissant. Voilà, 339 millions. Voilà, je galère à parler. 339 millions, donc c'est pas mal. Actuellement, ça me permet de gagner 1600 gloire, donc c'est correct. Et voilà, mon deuxième essai totalement foiré. Voilà, il a mis trop de temps à déclencher le démoniste, là, après. Attends que je vois ça. Donc voilà, donc ça n'a pas suivi. Là, il est parti en mode fou furieux 10, le démon, et puis tout le monde meurt. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et on se dit à très vite.